Luigi. No, no, fine, Jacob. Oh, yeah, okay. So we talked about, you know, online, everyone could be a celebrity. Everyone has the potential to be a celebrity. And could even revisit a paper that Wolfgang wrote a decade ago, Cloning Humans with Media. But what I wanted to ask was about the various projections of, or the possibility of projections of inauthentic personas. And what are the consequences of the denial of their human form or their human frame? That's it. What do you mean by projecting the image? That you're projecting an image of yourself that could be that's not you. You know, it could be something as subtle as mean being some hardcore gangbanger or something, or it could also be something completely different. Or I could be someone that's not even alive. I could be Jean Baudrillard on MySpace.com, and no one's gonna know the difference. So I mean, it's a sliding scale. But you know, so it's a question about identity. Yeah, it's a question about your online identity and that disconnect that you have between your human form, your regular lived life, and then the life that you're living or projecting online. Okay, la question porte vers le fait que de plus en plus, avec le temps réel et avec le réseau, l'internet, bien sûr, il y a la projection d'une autre identité. Oui. De l'avatar, mais ce n'est pas l'avatar de la personne réelle, mais c'est une identité inventée. Jeu de rôle. Voilà. Jeu de rôle global. Donc, quelle est c'est la schizophrénie contemporaine, mais comment tu vois le rapport entre une identité qui s'instabilise de plus en plus au fur et à mesure, une autre identité qui se met en place sur les autres. Mon avis, c'est l'illusion de la liberté, la démultiplication du même. L'homme, la femme est unique, comme les empreintes digitales. C'est comme ça qu'on nous reconnaît, l'ADN et l'empreinte digitale. Les technologies nouvelles permettent non seulement le clonage de l'identique, mais aussi la duplication des différences. C'est-à-dire que je peux être une famille, une tribu, au lieu d'être un individu. C'est, à mon avis, c'est la diaspora de la liberté. La dispersion de la liberté. La dissolving view de l'être. Alors, au niveau du théâtre, c'est pleinement reconnu. C'est le propre du théâtre. L'acteur est son double, disait mon ami Jean-Louis. Au niveau du théâtre social, à mon avis, on entre là dans une dramaturgie, comme on disait ce matin, qui est redoutable. Redoutable de perte d'identité, de perte de l'être dans son identité. Il y a une perte, il y a un acquis, comme toujours, il n'y a pas d'acquis sans perte. De pouvoir être plusieurs personnes à la fois, c'est acquis. Évidemment, on peut jouer n'importe quoi, mais avec le risque de se perdre. C'est une phrase du Christ dans les évangiles. À quoi sert de bâiller le monde si on se perd? So that's with it's what you're mentioning. Of course, it's the liberty to do so, but it's the loss of the liberty to submit to it. So every gain, like the gain of multiple identities or further identities, is a loss at the same time of the identity. On pourrait parler maintenant vraiment parce que c'est la conception que Benjamin avait déjà faite. Oui. Et Stirner, l'unique et sa propriété. Oui. Stirner. Max Stirner. So of course, so saying you can choose this, but I mean, if you read closely the work of Art at the Edge of the Technical, then you will see that Benjamin is saying this already.
So it's a loss. But the loss adds to. So the loss is a loss, but it's a supplement as well. So it does change the original and our conception of the original. And this is, of course, linking to the clonage, as we were at the beginning, it follows up. But whereas Benjamin is thinking of reproduction being for mankind, and as a translation, going towards another possibility of the original, the clonage is the complete regression. This is the big fundamental difference. Alors, entendons-nous dans ce que je dis là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer, qu'il ne faut pas avoir un avatar, etc. So, of course you have to play, have your avatars and whatever. Évidemment, ce n'est pas un interdit. Ça veut dire qu'il faut poser la question jusqu'à sa limite. Toujours la même question. So have the question jusqu'au limit. Jusqu'au bord de quoi? Toujours. La limite du jeu de rôle, c'est quoi? Si on ne pose pas la limite, à mon avis, on ne peut pas jouer. Il faut poser la limite jusqu'où je joue. Si on ne pose pas de limite, alors à ce moment-là, on se fout en l'air. So you have to know, up to from where to transgress. So up to the limit, produce all your avatars you can in order to touch the limit. Just to make a bracket and 10 years ago I was working with Ilya Kabakov, you know, the Russian artist Kabakov. And all Kabakov's work is about his memory, his Russian Soviet memory. And he was constructing a roof in Brussels in a museum with 10 roofs, you know, chambre de bonne, 10 rooms, each one was part of his memory. And the question when we had a discussion, we were going to ask him, well, don't you fear to come into a complete schizophrenia? That it's a pre-partition of identity which you're doing, it's going to be losing memory. And Kabakov's answer was at the time, well, you know, it's better to be schizophrenic than alone. Than alone. Avec Ilya Kabakov, j'ai travaillé avec Kabakov il y a longtemps. Il a fait une installation qui s'appelait Sous le toit, en Palais de Beaux-Arts Bruxelles, avec 10 chambres de bonne, où dans chaque chambre, il y a une partie de sa mémoire. Et on discutait, je lui disais, mais écoute, est-ce que tu n'as pas peur de devenir schizophrénique avec tout ça? Parce que la mémoire, elle perd ses traces. Quand tu l'as dit. Alors la réponse de Kabakov était, ils vont mieux être schizophrénique que seul. Ben, ça me rappelle un truc, une anecdote à propos du théâtre des Beaux-Arts de Bruxelles. J'étais invité pour faire une conférence. En dessous, il y a le théâtre et il y avait le concours Marguerite Long. Vous savez, c'est un concours de piano avec des grands pianistes, etc. On entendait un petit peu et moi je venais de finir ma conférence. Il y avait une table au milieu de la scène, j'étais là et je parlais. Et la première question qu'on me pose, c'est « Mais ce que vous dites n'est pas un peu pessimiste ?» J'ai l'habitude. Et à ce moment-là, il y a un pompier qui descend et qui dit « Alerte à la bombe, on évacue. » c'est vrai ce que tu racontes. He was giving a conference at the Théâtre des Beaux-Arts in Brussels. And on the second floor, the first floor, there was a piano competition. Marguerite Long. He was just finishing his conference, and somebody was saying, Mr. Virgilio, isn't all this what you're saying a bit too pessimistic? And he's used to this, and even before he could reply, there was somebody from the fire brigade coming and saying, we have a bomb alert, please leave the room. So this is the relativity. Excellent.